vu aujourd'hui, ce que tu vois là, c'est grâce à l'humain. Hein. C'est grâce à l'humain. Falikou, c'est lui qui ce projet là, c'est lui qui a mis ça en place, non? Voilà, il a fait ça pour aider, vous faites la jeunesse d'Agami. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mr. B. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes dans le marché d'Adjamé, un marché d'Adjamé qu'on appelle le Black Market, comme vous connaissez déjà. Donc il y a eu beaucoup de rénovations dans ce marché-là. C'est par rapport à cela que nous sommes venus dans le marché pour vous montrer un peu ce qui se passe ici. Donc on va aussi vous montrer des images, mais on va aussi demander aux gens quelles sont leurs impressions par rapport au marché, par rapport à la rénovation du Black Market d'Adjamé. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de liker et aussi de partager la vidéo. Sans plus tarder, on va à la découverte du Black Market ici à Adjamé. Welcome back to my YouTube channel. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Mr. B, le numéro 1 du vlog en Côte d'Ivoire. Ici, vous trouverez par exemple des diverses rubriques telles que les vlogs, le tourisme, les découvertes, les micro-trottoirs et j'en passe. Alors, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous aussi rapidement que possible. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir le plus grand marché noir d'Abidjan, le Black Market à Yam. Mr. B. En substance, le Black Market est situé dans la commune d'Adjamé, non loin de la grande mosquée de la dite commune. Dans ce marché particulièrement catégorisé, on y exerce la vente de divers articles tels que les appareils électroménagers, des vêtements, des bijoux de grande valeur, mais surtout des téléphones portables et ses accessoires. Des grands magasins y sont ouverts de 7h à 18h et les transactions financières s'y font de manière peu conventionnelle. Dans le passé, le Black Market bénéficiait d'une réputation peu reluisante d'où provenaient la crainte et la peur de certains clients d'ici aventurer. Mais aujourd'hui, ce marché redoutable a récemment connu une rénovation capitale aboutissant à une amélioration impressionnante. Et ce n'est pas ce commerçant Black Marketien qui nous dira le contraire. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Comment ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. On remarque que le Black Market a beaucoup changé par rapport à hier. Voilà, donc hier, on a vu comment le Black était, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu une rénovation. Maintenant, toi, quelles sont tes impressions par rapport à ces rénovations du Black Market? Oui, aujourd'hui, ce que tu vois là, c'est grâce à l'humain, hein? C'est grâce à l'humain. Falikou, c'est lui qui ce projet là, c'est lui qui a mis ça en place, non? Voilà, il a fait ça pour aider, vous faites la jeunesse d'Agami. Vraiment, aujourd'hui, quand il regarde le Black par rapport à hier, vraiment, tu vois que là, il y a une grande différence. Aujourd'hui, vraiment, quand il rentre dans le Black, toi-même, tu es fier. Aujourd'hui, nous tous, on trouve que vraiment, il n'y a pas de commentaire, quoi, c'est propre. Oui. Avant, les gens avaient peur du Black Market. Quand on entend le Black, on a peur. Est-ce qu'aujourd'hui, après la rénovation, la clientèle est démise? Est-ce qu'il y a beaucoup de clients? Est-ce que les gens viennent normalement pour faire des achats ici? Oui, non, par rapport à hier, non, parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, on remarque vraiment, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe au Black aujourd'hui, vraiment, on voit qu'il y a un grand changement. Les clients, ça vient, et puis les clients, tu connais, c'est Dieu qui les donne. Mais aujourd'hui, par rapport à hier, ça va. Il y a beaucoup de trucs que le maire Falikou veut même fin à ça. Voilà, les moments de vol, les moments d'agression, tout ça, on veut arrêter ça ici. Voilà. Okay, merci et bonne journée à toi. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous, pareil. Après notre interview, nous sommes rentrés dans le marché pour voir réellement ce qui s'y trouve. Ne décrochez surtout pas, restez avec nous
pour découvrir toute cette merveille commerciale. Si vous avez des avis, mettez-les en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. C'est avec un grand plaisir que nous allons vous répondre. Pour toute collaboration, veuillez nous contacter au numéro dans la barre à des descriptions. À Yam, Mr. B. N'oubliez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Peace out.
bien, ici s'achève notre émission sur la rénovation du Black Market. J'espère que vous avez aimé la vidéo et vous avez pu voir aussi les différents changements, les différentes rénovations du Black Market. Donc, sans plus tarder, nous allons vous dire au revoir.